Premier mot de la saison. On va gagner. Bah, on va gagner là, on va courir. Romain leur a concocté un petit programme assez dur physiquement, parce que bientôt match de coupe. C'est ça l'objectif quoi, match de coupe. Carrément. Après on a un mois pour se refaire physiquement, après c'est la reprise, tranquille du championnat. Voilà. Mais là ce soir c'est tranquille. Tranquille. Petit footing, après renfort musculaire avec Romain. Après des petites gammes de ballons. Contrôle, passe, truc simple. Et après du jeu, petit tournoi et tennis ball. Ah. Ok. La reprise s'annonce palpitante. Allez Nat, c'est la dernière ligne droite, 80 mètres. Ça va payer tout ça. Ça va payer. Une assistance respiratoire là. Putain. Le premier footing de la saison. Hein. La vache. Ça fait mal. Hein. Souvent on a arrêté depuis un moment. Faut travailler cet été. Hein. T'étais là. Ah, deuxième montée, elle était dure. Elle était longue. Ouais. Ouais. Regardez-moi cette droiture. Après, on l'appelle, dans le quartier, on l'appelle la planche. Les gens, ils sortent sur son dos. Et on l'appelle le voilier. Hop, relâcher, changer. La voile. Là, c'était dur. Footing, c'était dur de ouf. J'étais loin derrière. Putain, fallait voir. Top, c'est bien. Ce premier footing. Ce premier petit footing, non, c'est bien. Après, il y en a certains qui sont un petit peu plus en retard que d'autres, qui est dans le légitime. Il y en a qui rentrent de vacances, il y en a qui ont bien bossé. Donc c'est bien, ça fait matière à travailler. Arrête. Non, c'est lui qui m'a déconcentré. Bon alors, c'est le premier entraînement. Ça va. Les jambes sont lourdes et tout, mais comme j'ai dit, c'est ça qui va payer. On commence par les roses qui sont déjà en place et les sans maillot. Oh là 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 là, Vincent a failli partir. Salut les fans du Vince KFC, deuxième semaine d'entraînement avec la team du Vince KFC. On est un peu plus nombreux, le terrain s'agrandit, c'est pas toujours un bon terrain, mais le terrain s'agrandit, et puis voilà, ils sont nombreux, ils sont là pour tout donner, et je pense que ça va le faire. Voilà, merci à vous les gars, à la prochaine. C'est vachement floral au Vince KFC, on apprend grave les trucs. Hein ? Je viens de tuer une plante, merde, excusez-moi. Non, moi j'ai rien à dire aussi, hein. Voilà, tu connais, on est content de retrouver les pompes. Gros, mais il y a des trous de partout. On dirait on va faire une chasse aux œufs. Tu vois, celle-là, on voit que ta maturité, elle est pas à 100%. Non, arrête. Mais gros, c'est vrai, gros. Moi, je, à chaque entraînement, tu me rends tes bijoux, tu me donnes... Ouais, donne ta chaîne. Je suis saoulé. Rappelle-moi ton âge, vite. Moi aussi, j'en avais pas avant. Prépa physique, hein. Salut les gars, moi c'est Paul, 21 ans, buteur, attaquant, ailier, tout ce que vous voulez. Alors moi je jouais à Anthony en 17R2. Voilà, vitesse, puissance, vous me connaissez, ce que je vais apporter au Vizca FC. Allez, come on Vizca.
m'appelle Maxime, je joue défenseur gauche. C'est Massas qui m'a parlé de Vinsky et qui m'intrigue du coup dans le groupe. Voilà, bah, je le remercie. Et puis bah, on est prêt pour une bonne saison, j'espère. Donc voilà, merci Massas et merci Vinsky. Salut, enchanté, Dylan, 27 ans. Milieu attaquant gauche, voire droit, pied gauche. Très content d'avoir rejoint le Vinsky FC. Et cette année, ouais, ce que j'attends de cette équipe, c'est de voir vraiment une équipe hyper soudée, un collectif. Et voilà, une bonne entraîne entre les joueurs, kiffer, mettre un peu de sérieux et montrer ce qu'on veut réellement. Ok. Merci. Ouais, bah écoutez, je m'intègre dans le groupe. J'ai pas encore chanté ma chanson, mais ils ont l'air tous sympas. Et pour l'instant, je me suis lié d'amitié avec le nouveau numéro 10. Et puis voilà. Rahim. Ouais, Rahim, c'est ça. Il me ressemble un peu. Deuxième semaine d'entraînement. Ça va, on reprend petit à petit. En passant d'avoir un vrai terrain. Et fin du mois, premier match du Vinsky FC pour la saison 2020-2021. Une passion. Ouais. 3, 2, 1. Au milieu. Recommence. On va se refaire. À droite. Vas-y, je vais pas regarder là. C'est la fin de l'épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. C'est le premier de la saison 2020-2021. On est du coup en août, fin du mois, on a la Coupe de France comme ça a été dit dans l'épisode. Avec cette vidéo, vous avez pu voir que on n'a pas encore accès au terrain. Il y a toujours en fait une trêve estivale où les terrains sont fermés pour qu'ils puissent être remis en état entre guillemets pour la nouvelle saison qui arrive. Donc là vous voyez, c'est un peu galère, hein. On s'entraîne un peu comme on peut. Mais bon, c'est la débrouille, c'est comme ça que ça se passe dans le foot amateur, donc je pense que c'est cool de voir ça aussi. Ah, on est loin du camp des loges. Ouais. J'ai déjà dit sur ma chaîne, mais je pense pas l'avoir dit sur cette chaîne là, donc je le redis. Je ne serai plus joueur cette année. J'ai quand même ma licence de joueur s'il faut dépanner, mais vu le groupe qu'on a, je pense que j'en ai pas besoin. Je suis maintenant manager du club. Ma mission, ça va être de faire en sorte que les objectifs soient atteints. Hein, Maxime ? Atteints ? Et surtout développer le club. On cherche par exemple un joueur FIFA pour représenter les clubs sur FIFA Ultimate Team 21. Je vais aussi créer le Vinsky FC Junior. Bref, je vous redonnerai toutes les infos le moment venu. Et dernière info, je vous rappelle que le maillot est toujours disponible. Il est au prix de 45€ sur la boutique et les bénéfices iront à la recherche pour un vaccin contre le Covid-19. Et le maillot d'entraînement qui sera utilisé durant toute la saison. Là, c'est la taille enfant. La première fois qu'on propose une taille enfant pour les produits du Vinsky FC. Donc n'hésitez surtout pas, tout est dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a dans 2 semaines pour le prochain épisode. Parce que je le rappelle aussi pour les nouveaux, ils s'en gardent le rythme. Il y aura un épisode toutes les 2 semaines. Comme un Vinsky FC.